Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui te détestent alors qu'au fond, vous n'avez aucun problème. C'est juste parce qu'ils ont échoué là où tu as réussi, ils te détestent. Au lieu de venir vers vous pour demander les conseils. Donc voilà, comme vous constatez, cette corde-ci là, c'est une corde qui m'a été remise par l'une de nos sœurs qui est une super fan sur les réseaux sociaux. En fait, elle n'aime pas, elle est super fan sur ma page. Voilà, elle a tellement aimé mes conseils. Un jour, un de ces quatre matins m'appelle, me dit, Banga Diaspora, j'ai envie de te remettre un cadeau. Mais vous savez, nous les Africains, on aime tout ce qui est trop gros, quand quelque chose est trop gros là. Ou bien on aime le cash. Mais on oublie qu'on peut avoir le cash, mais on n'est pas en santé. On peut tout te donner dans ce monde. Mais si tu n'es pas en santé, ça ne vaut pas la peine. Jusqu'à ce qu'il arrive un certain moment, le jeune frère qui est sur la toile là, celui qui. Le géant noir qui ressemble à Shaka Zulu là. Donc maintenant, c'est par lui où vient l'inspiration. J'ai été inspiré par lui pour utiliser cette corde-ci là. Alors que cette dame m'avait remis cette corde, vraiment désolé ma soeur, ça fait longtemps. J'ai oublié ton nom, vraiment. Voilà, tu m'avais donné un cadeau en or. Tu m'avais donné un cadeau en or que j'ai pris, j'étais à la maison. Jusqu'à ce qu'il arrive un autre frère, le jeune frère, si on l'appelle qui là. Donnez-moi son nom là. Celui-là qui est géant avec le corbeau comme ça là. Voilà, il est géant. C'est lui qui m'a inspiré. Donc depuis quelque temps, je cherchais la corde. Donc j'ai revu cette corde. Et je vous conseille de faire de même. Au nom de Dieu, c'est une aubaine en or. C'est-à-dire, c'est un cadeau du ciel. Je vous dis, parce que ça travaille tout le corps. Non, 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 c'est boy, c'est boy, tac. C'est boy, tac. Il s'appelle c'est boy, tac. Le gars là, il fait les vidéos, il court comme ça là, il est noir et lancé. Il était à Dubaï. Voilà, tac méthode. Voilà, tac méthode. Saut, tac méthode. Continue dans ton combat, mon frère. Chacun a son combat. Et c'est un meilleur combat, surtout que tu le fais bien. Et ça montre la santé. Parce que beaucoup de personnes vont dire, ah, il fait quoi là? Mais ces gens sont dans l'alcool, dans les bars. Au moins, tu montres au moins que. Les gens doivent vivre pour longtemps en faisant le sport. Parce que le sport, c'est la santé. C'est la santé. Donc vraiment, tu es une source d'inspiration. Voilà. Parce que tout a déjà été créé. Mais on inspire les gens à faire certaines choses. À la base, tout est créé. Il n'y a rien sur cette terre que tu fais, tu fasses que personne n'a jamais rien fait. Ou bien que quelqu'un n'a jamais fait. Tout le monde a fait tout ce que tu es en train de faire là. Mais le problème, c'est que tu peux être l'instigateur. Donc voilà, donc je vous invite à utiliser la corde. Pourquoi? Quand je vais en salle, je porte le fer. Quand je vais en salle, je suis fatigué. Mais avec ceci-là, tu sèches ton corps. Regarde, comme il est sec là, c'est vraiment ça. Puisque tu fais autant de mouvements. Parce que c'est autant de mouvements qui sèchent ton corps. Vous allez voir les gars qui portent le fer. Quand il arrête de porter le fer, et s'il ne fait pas certains exercices à la maison, automatiquement, après un mois, 2 mois, il prend les kilos. Alors que la corde, donc j'invite les femmes qui ont de la peine à aller en salle de gym, je vous invite à utiliser la corde. C'est très bien. C'est très bien. Autant de mouvements. Je prends un exemple. Avec la masse, avec les haltères, je ne peux pas faire 50 mouvements. Mais avec ceci-là, je peux bien le faire. Très facile. Regardez. Pendant que tu fais les mêmes mouvements, ça sèche ton corps automatiquement. Oh, j'ai une soeur là, donc ma soeur là, s'il te plaît, il faut te prononcer. Voilà les clients qui veulent déjà acheter la corde. Je vous dis que c'est trop bon. Sans effet, que tu n'as pas mal après comme le fer, les haltères, quand tu peux porter les haltères, tu as mal partout, tout et tout, tu as mal au bras, tu es incapable. Vous allez voir, beaucoup de muscles que vous voyez là sont les faibles aux fesses. Hein. Beaucoup de muscles que vous voyez là sont des faibles aux fesses. Je sais de quoi je parle. Parce que le fer, ça fatigue. Et il faut toujours rester au top. Alors que voilà un truc très facile à utiliser. Donc merci pour cette source d'inspiration, pour cette source de motivation. En fait, vous êtes les motivateurs. Voilà, vous êtes les motivateurs. Et c'est bien dans la vie. Voilà pourquoi certaines personnes,
détestent les autres. Pourquoi, au lieu d'imiter le bon exemple, qui est bien pour eux, pour leur santé, surtout nous les Africains, si c'était un Européen, un Asiatique, un Américain qui faisait ce que notre frère est en train de faire, ce que tout le monde a pris le concept. Mais nous passons le temps toujours à imiter ce qui est caduque, les banalités, qui n'apportent rien à l'Afrique. Non, le sport est important. Pourquoi on a les leaders qui meurent par manque de sport? Parce que même si tu veux faire la politique, il faut être aussi un bon sportif. Oui, même un bon chef d'entreprise doit être un vrai sportif pour avoir le moral haut. Parce que ce n'est pas seulement le lait que tu reçois. Tu reçois aussi les coups de coups, les coups dans ta tête. Et tout ça, c'est la tête qui porte. Et quand tu as le moral qui peut supporter toutes les charges, je te dis bien que tu vas mettre l'homme dans l'entrepreneuriat. You will get a success. C'est clair. Et automatiquement, le sport discipline notre vie. Je me pose souvent la question. Vous allez voir, la majorité des temps, les sportifs, on les escroque souvent. Soit abus de confiance. Puisque ça discipline la vie. Un gars rentre, il est fatigué. Quand tu fais le sport, tu réfléchis bien. Tu dors le bon sommeil. Donc je vous invite à utiliser la corde. Je vous jure, les femmes, surtout les femmes. Toi qui n'as pas le courage pour aller courir là. Regardez. J'ai la sueur qui coule sur moi. Petit mouvement, j'ai la sueur qui coule sur moi. Quand tu vois ça, il est en train de faire là, tu crois que c'est quelque chose de très facile. Non, c'est facile, mais très difficile. Si c'était un Camerounais, si c'était un Européen qui faisait ce qu'il est en train de faire là. Mais vous allez voir les commentaires. Voilà. Vous allez voir les commentaires de nos frères Camerounais. Ah, il fait quoi là? C'est quel fou ça. Il passe son temps à marcher partout. Mais attendez. Attendez, mais c'est un travail. Même faire les vidéos, c'est un travail. Quand je vois les gens demandent sur la toile, toi, celui-là, il travaille quoi dans sa vie? Mais mon frère, les youtubeurs, c'est le travail. Collecter les vidéos, mélanger, c'est un travail. C'est parce que parfois qu'on est dans les clashs, on va à l'excès. Faire les vidéos, c'est un travail. Parler, on t'écoute, c'est un don de Dieu. Tu le transformes en travail. La majorité de mes produits, de mes jus de canne, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à Facebook que j'ai eu beaucoup de mes clients. Les clients qui sont à Yaoundé, à Ngaoundéré, à Bafoussam, à Mawa, à Tibati, à Bétoua, à Tchang, à Bamenda, à Boya, à Limbé, à Baganté, la majorité sont des gens que j'ai connus via les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, TikTok, c'est des personnes qui me contactent. Il y a même certains qui prennent mes vidéos que dans certaines pages, dans certaines chaînes de chaînes YouTube. Ils me contactent. Ils me disent, gars, je veux tel produit, je veux tel produit. Comme ce matin, je vais vendre 10 Super Magic, 10 Super Love, le produit pour tes sur l'anga. Tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc les gars, nous devons apprendre, quand notre frère nous a montré un secret, il faut adorer, il faut imiter. C'est sans effort, la corde. C'est sans effort. C'est sans effort, la corde. Sans effort. Sans effort. Et tu coules la sueur. Tu coules la sueur. Tu coules la sueur que tu ne peux même pas imaginer. Sans effort. Quelque chose que j'avais à la maison, j'ai négligé. Vraiment, désolé, ma soeur, tu m'as donné quelque chose de bien. Et vous savez, l'Africain, nous, on aime tout ce qui est trop gros. Ah, on oublie que dans les vrais combats, David avait tapé Goliath. Voilà. David avait tapé Goliath. Regardez comment. Regardez. Regardez comment ça travaille. Regardez comment ça travaille. Ça travaille. Regardez comment ça travaille. Et là, tu dis que oh, je vais aller faire le sport. Je vais. Voilà les choses simples chez toi. Tu as ça chez toi. Et tu as une planche pour les abdos. Et même ça, ça fait les exercices des abdos. Oui, parce qu'elle m'a montré ça. Parce que la dame qui m'a donné ça à l'époque, elle m'a donné avec le menu. Vraiment, l'homme nous, hein, c'est ça qui va nous tuer. On va toujours regarder loin. On va toujours regarder loin. Maintenant, voilà notre frère, ta méthode, qui nous motive. Voilà, merci à toi, ta méthode. Vraiment. God bless you, bro. Continue dans ton combat. Les gens vont dire, ah, il fait quoi là? Non, continue. Tu as la forme d'un acteur.
ne sois pas surpris qu'un matin, là, pap. Ce qui me plaît, c'est que dans les grands pays, là, dans les grands pays, tout ce que tu fais, tout ce que tu pratiques a sa place quelque part, surtout quand tu es africain. C'est tout ce que, c'est nous qui nous négligeons, c'est nous qui négligeons nos valeurs ici, là. Il y a un petit là, ici, là. Il coiffait là-bas à la station Bonateki, la Total Bonateki. C'est un petit que je motivais toujours. Il me dit, mais tu fais quoi ici à ton corps là? Il me dit, grand, il que, je te vois souvent, tu boxes, non? Tu es un garçon élégant, tu es costaud. Mon ami, il faut partir en aventure. Ma motivation, c'était quand il rentrait chaque temps, je lui gardais les tondeuses. Sylvain! 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 Comme? Je gardais les tondeuses à ce garçon. Comme ça, même matin, il m'a dit, grand, je veux vendre mon salon de coiffure. Oui, à l'époque, hein, pas maintenant. Ça fait même 8 ans. Donc, je vous encourage pas à partir tomber dans l'eau. Vous encourage pas à partir tomber dans l'eau parce que vous êtes nombreux là comme ça. Là. Quand parfois on parle, l'autre va venir me montrer que grand, j'ai épousé un homme. Je ne t'envoie pas épouser un homme. Voilà, je ne t'envoie pas épouser un homme. Donc, le petit a pris sa route, il est parti. Aujourd'hui, il est italien. Il fait la boxe en Italie là-bas. On l'appelle le Canassi. Il est champion de sa ville. Il est champion de sa ville. Donc ça veut dire que quoi? Tout ce que tu fais à l'étranger parfois, que tu mets en valeur, ne sois pas surpris qu'on te copte. On te dit qu'il y a les acteurs qui étaient les clochards. Comme l'acteur de 007, c'était un clochard en Angleterre. Aujourd'hui, il est devenu une superbe star. C'est la même chose comme notre frère. Le corps là, ça va lui donner beaucoup d'argent. Wallahi billahi. Alors arrêtez de dire que non, va travailler. Non, 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 non. Facebook c'est un travail, tu ne sais pas ça. Facebook c'est un travail. C'est parce qu'on est en, nous sommes dans le pays où c'est illégible. Voilà. Parce que si nous étions le pays où Facebook paye les gens là. Non, 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 non. C'est qu'on a beaucoup d'argent. Voilà. Et parce que nous sommes dans les faux pays. Les pays où les États ne vont pas chercher les vrais contrats. On dit qu'à laisser-les faire les directs là-bas, ça va les rapporter même quoi. Tout ça, c'est la volonté des États. Hein. C'est la volonté des États. Parce qu'il y a des gens aussi qui font des vidéos, qui ont des centaines de centaines de mille de vidéos. Mais ça ne rapporte rien. Mais oui, ça ne rapporte rien. Alors qu'en réalité, c'est un travail. Vous croyez que quand vous êtes dans un pays où c'est... Que Facebook paye là-bas, vous croyez que c'est facile? Un gars qui a ses 100 000 vues, là, ça lui donne beaucoup d'argent. Hein? Ça lui donne beaucoup d'argent, un gars qui a 100 000 vues en un jour. Oui, parce qu'à l'intérieur, il y a les vidéos, il y a les publicités qui passent, tout et tout. Voilà, il y a les gens qui le motivent, il y a les gens qui font des dons via sa page, dans ses vidéos, tout et tout. Ça lui rapporte beaucoup d'argent. Et c'est un travail. C'est un travail. Donc continue, mon frère. En fiche-toi de Camerounais. Le problème, c'est de se moquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont la mentalité du vol. Voilà, c'est comme ça qu'on nous a éduqués ici, là. Le Camerounais, lui, là, comme il a son réseau, il vole. Voilà, et comme tu n'es pas dedans, hein, voilà, et comme toi, tu as décidé de te montrer aux yeux du monde, qui décide de se montrer aux yeux du monde, ça veut dire que c'est un homme honnête, quelque part. Voilà. Et le plus important, c'est l'endurance. Voilà. Continue dans ton chemin. C'est clair. Sache que tu inspires beaucoup de personnes. Nous voici aujourd'hui. Je suis allé chercher une corde que j'avais d'ailleurs négligée. C'est grâce à toi. Ça veut dire que quelque part, tu allais motiver quelqu'un. Et aujourd'hui, moi aussi, je veux motiver les autres. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc continue dans ton combat. Faut pas écouter la gueule des Camerounais. Les Camerounais, c'est seulement bavarder. Mais ils ne peuvent rien faire. Voilà. Va voir un gars, il habille chez ses parents. C'est lui qui te critique. Voilà. Quelqu'un est incapable de louer une chambre. Même un studio, il est incapable. Mais c'est lui qui va te critiquer. Voilà. Donc, mon gars, continue seulement ton combat. Voilà. C'est clair. Sache que bientôt, tu vas signer un gros contrat. Alors, attends, même moi, sinon, je me souviens à l'époque, Celebrity Fitness, quand je travaillais dur, Celebrity Fitness, je m'étais tellement familier à eux, dans un club de Celebrity Fitness, l'une des plus grandes salles de gym au monde. J'étais affilié à Celebrity Fitness. J'ai ma carte là, j'ai la gold card. Ouais. C'est comme ça qu'un matin, j'arrive, comme j'étais tellement familier à eux, et je veux voir ma photo. Ils disent, mais comment? Qui vous a dit ça? Ils ont tout fait, mais j'ai barré. Ils ont même voulu qu'on signe le contrat parce que j'étais développé. Donc c'est pour dire, regarde, quand tu fais quelque chose, fais bien. Et je m'en dis à certains petits frères que ce monsieur de TAC, ouais, c'est TAC méthode là, vous servez de leçon. Vous êtes en aventure.
Vous êtes obèse, vous passez toute la journée à boire la bière. Connaissez qu'un gars comme ça, là, s'il veut draguer même une gars, là, un gars va l'accepter. Et les Watt aiment le genre de gars là. Parce que c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Il m'adresse comme ça aux aventuriers là. Voilà, voilà, tu vois, on dit qu'il a les contacts avec les... Voilà, j'ai dit que quoi alors? Merci à toi, Miranda Bassemé. Voilà, voilà, on dit qu'il a les contacts avec les acteurs. Vous voyez? Vous voyez? J'ai parlé comme l'amusement. Mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais on a des jeunes frères qui sont là au Maroc, en Algérie. Mais je ne comprends pas les petits frères là. Vous faites quoi comme ça? Mais nous, on a fait les pays là, non, mon frère? C'est le sport qui nous sauvait. Il y a les maisons qu'on nous acceptait parce qu'on était les sportifs. Les Occidentaux aiment voir un autre style. Et quand tu te lèves le matin, tu cours. Ils te remarquent. Et que, mais le noir, s'il court comme ça, là, ne sois pas surpris qu'un matin, on vient te dire que bon, viens. Bon, je prends un exemple. Il y a l'ancien champion. Bon, j'ai pas envie d'appeler son nom. Il est souvent sur ma page. Aujourd'hui, il est en France. C'est un gars que j'ai connu à l'île de Malte. C'était un marcheur. Le sport, c'est qu'on appelle la marche aussi, là. La marche, non? Les gens pensent que la marche, quand on dit le sport, la marche aussi là, c'est tellement dur que ça te fait perdre le poids en un mois. D'abord, il faudra que tu résistes. Le sport, la marche. Voilà. Bon, je vais te donner son prénom. Il s'appelle Daniel. Bon, dans l'ancien, tu passes sur Facebook, tu tapes ancien champion du monde camerounais. Non, ancien champion camerounais de marche. Il va dans une compétition quelque part là-haut au Portugal. En rentrant son équipe, il s'arrête à l'île de Malte. En Malte, c'est comme ça que là, bon voilà, on veut voir un Camerounais débarquer un jour, tout et tout. Et comme ça que lui décide de rester. Nous là. Nous, on habitait dans le quartier là, on ne nous connaissait pas. Ok? Nous on habitait au quartier, on ne nous connaissait pas. Mais le fait que Daniel est venu là, c'est comme ça que Daniel se lève chaque matin, il part marcher. Il part marcher. Un matin, on va voir toute la délégation du quartier arriver à la maison. C'est comme ça qu'on a fait déménager Daniel, aller lui faire, en fait, aller louer un truc pour lui. Il est devenu le coach du quartier. Après 6 mois, il dit même qu'après 6 mois, on l'a adopté. Il est devenu européen. Il dit qu'après 6 mois, après 6 mois, donc 6 mois, dans un pays, quelqu'un devient européen. On est parti l'adopter. Donc ce sont les qualités dans la vie. Donc je m'adresse aux petits là. C'est comme ça que les femmes courent après lui, les femmes. Mais je vois les petits frères qui sont là, non, grand frère, ils demandent l'asile, tu demandes l'asile depuis 20 ans. C'est quel genre d'aventure que vous êtes, que vous ne mettez pas les chances de votre côté. C'est ça qui me surprend, les petits là. Tu vois un jeune gars dehors, oh, il est obèse comme ça là. Mais attendez, mais mon frère, on dit de mettre les chances de ce côté. Mon ami, elle est plaquée de chocolat. Hein? Elle est plaquée de chocolat, dit man. Lève-toi le matin, tu cours au quartier, visite ton quartier. Vous allez voir des gens. Il sort que le jour qu'il a rendez-vous aux Nations Unies. C'est, attendez, non, j'ai mon rendez-vous dans 6 mois. Tu vois, il est là, il stresse. Attends, mon frère, dans les pays où il y a beaucoup de femmes là. Oh, mais frère. Oh, ben, diaspora. Oh, venez, frère. Dans le pays là où il y a beaucoup de femmes là. Le pays où il y a beaucoup de femmes là. Hein? Chez les blancs là. Où il y a beaucoup de femmes. Et chez eux, ils ne connaissent même pas ce qu'ils veulent dire la beauté. Ils veulent savoir un gars qui est mignon. Qui a un beau sourire. Hein, qui a une manière de vivre. Il aime faire le sport. Tu l'as remarqué où? Ah, voilà là où l'homme occidental prend en considération. Où as-tu connu ce monsieur le premier jour? Je l'ai connu. Il passait devant ma cour chaque matin. Il partait faire le sport. Parce que c'est les gens qui réfléchissent beaucoup. Le premier jour, l'homme occidental, asiatique, américain, c'est les gens qui ne blaguent pas. Là où il t'a connu, l'endroit où il t'a connu. Parce qu'un, il ne blague pas avec l'amour. C'est ici là que quelqu'un fabrique une mise en scène, après entre en contact avec toi, après tu te rends compte que non, il venait comme ça te tromper. L'homme blanc ne connaît pas ça. Il veut, quand il explique à ses amis, non, je l'ai connu, il courait chaque matin devant ma cour, et quand je restais devant le balcon,
Je le voyais passer. C'est très important. Petit frère, voilà ce que vous devez faire chaque jour. Voilà ce que vous devez faire chaque jour, vous qui êtes en aventure. Pas seulement quand tu allais traverser la Méditerranée. Non. Quand tu es encore en Afrique. C'est vous qui dites que les Blancs ne font pas le faux. Hein? On connaît les amis hein, qui se sont mariés en Libye. Hein? Avec les Italiennes. Hein? Ils ont voyagé à le laisser passer. Écoutez-moi bien là. C'est vous qui dites que les Blancs ne font pas le faux. Quand le Blanc sait que le gars là, ma soeur l'aime là. Il part, il parle la langue là. Hein? Il parle la langue là. Elle l'explique, elle a toutes les garanties. Mon gars, on te pêche là-bas, en Algérie, là où tu es là. On part avec toi. C'est vous qui dites que les Blancs, non, ils ne font pas le faux. Ils te font... Mais pas quel passeport. Connais les amis qui ont voyagé le laisser passer. C'est-à-dire que les laisser passer qui viennent de l'ambassade. Parce que l'homme, il a épousé une femme européenne, américaine. Le gars qui l'a laissé passer, il traverse. En Afrique, il prend l'avion. Tu sais ça? Ouais, donc il faut arrêter ça. Que vous êtes là toujours. Non, j'attends mon rendez-vous. On a renvoyé dans 6 mois. On a renvoyé dans 2 mois. Mon ami, 2 mois qui passent dans ta vie là. Que tu es en train d'entendre là. Mets-toi au travail. Commence à courir chaque matin. Fais-toi remarquer au quartier positivement. Parce qu'ils ont déjà certaines idées sur les Africains. Voilà comment ils font. Voilà comment ils font. Voilà leur méthode. Mais toi, amène une autre méthode. Crée une autre méthode. Ça va t'aider dans tes aventures, mon frère. Ça va t'aider dans tes aventures. Mais oui. Multiplie tes chances. Oui, les Nations Unies, là. Hein? Le camp d'asile. C'est une chance. Mais si ça ne marche pas là-bas, donc tu vas passer ton temps à tourner dans tout l'Europe. Si on te rejette en Italie, tu vas partir en France. On rejette en France, tu pars en Allemagne, en Angleterre, tout ça. C'est quoi ça? C'est ton temps qui passe. Et tu connais, quand tu n'as pas le papier dehors, mon frère, c'est un traumatisme. Hein? C'est un traumatisme. Sache qu'il y a des moments dans ta vie que tu ne dois... Tout va t'énerver. Tout va t'énerver. Tu vas commencer à devenir aigri, haineux. Parce que tu dois voir le succès des uns et des autres. Pourquoi? Parce que ceux-là se renseignent. Ceux-là multiplient les chances. Il faut multiplier tes chances. Oui, aller demander l'asile, être demandeur d'asile. Oui, c'est un premier pas déjà. C'est bien de tenter ses chances. Mais la vraie chance, ça vient de toi-même. Provoque ta chance. Être demandeur d'asile sur le chemin de tout étranger dans chaque pays. Il y a même des Européens au Cameroun qui demandent l'asile. Hein. Ne crois pas que les Européens que vous voyez là, il n'y a pas. Il y a ceux aussi qui sont persécutés dans le pays. Et qui viennent ici se retrouvent bien. Ils partent demander l'asile hein, aux Nations Unies. Je connais plusieurs. J'en connais. Je connais beaucoup. Je connais un Allemand qui est ici, c'est un demandeur d'asile. Il a le papier des Nations Unies là. Il a eu, on lui a remis. Je connais. Et il y a aussi des gens qui ont commis les dégâts chez eux là-bas. Ok? Et qui sont ici, qui ont demandé l'asile. Si vous croyez qu'il n'y a que les Africains qui demandent l'asile, non, même les Européens, même les Américains demandent l'asile. Mais tout ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que il faut multiplier ses chances. Regardez comment je suis. Je suis en train de suer là. Regardez comment je suis en train de suer. Grâce à cette corde là. À la corde si seulement. À cause de ta méthode. À cause de ta méthode. Voilà, ta méthode. Et c'est bien. Nous devons faire aussi comme lui. C'est une bonne chose. Faisons comme lui, c'est une bonne chose. C'est bien pourquoi? Parce que tu ne peux. C'est léger là comme ça, mais ça te fait travailler. Ça te fait travailler. Tu vas voir comment tu vas sécher. Normalement là, après avoir porté le fer, tu sèches avec ceci. Donc si tu veux perdre du poids, mon frère, je te donne un conseil. Utilise la corde. Utilise la corde. Voilà. Utilise la corde. Voilà. Vous savez, parfois dans la vie, tu as vu dans un pays, on te mélange avec ceux qui sont là passés. On pense que tu es comme ceux qui étaient d'abord là. Donc mes jeunes frères, il faut multiplier ses chances. Il faut multiplier ses chances. Multiplie tes chances, toi qui es en aventure là. Tu dois faire l'effort d'être bien vu. C'est pourquoi j'adore cette chanson de La Fouine.
Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Qui peut me stopper? Je ne peux nier. Mon identité peut pas essayer. Qui peut me stopper? Je viens de loin et vu mon teint. Bon, peut-être les gens ont réussi seulement sans comprendre ce qu'il dit. Qu'est-ce que la fouine dit? Il dit, moi je viens de loin. Quand tu viens de loin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois impressionner les gens. Et tu dois bien faire. Parce que vu ton teint, tu viens de loin et tu es souvent stigmatisé à cause de ta couleur de peau. Tu connais? C'est pas moi qui va te dire que nous sommes stigmatisés. Nous, Africains, nous sommes plus victimes de racisme que les autres. Mais oui. Donc, nous sommes toujours victimes. Ça veut dire que pour, automatiquement, pour qu'on t'accepte, il faut que tu travailles 4 fois que celui qui est là. Que le white collar. C'est clair. Donc, pour qu'on t'accepte là-bas, il faut que tu sois quelqu'un qui a travaillé 4 fois. Je prends un exemple. Tu pars dans une maison. Tu veux surclasser l'enfant de la maison. Tu penses qu'il faut que... Tu dois te rendre important. Pour qu'on t'accepte dans une maison, hein, on te donne vraiment la place de l'enfant de la maison aussi. Il faut que tu fasses les bonnes choses mieux que l'enfant de la maison. C'est clair. Pour qu'on te donne le travail de l'enfant de la maison, comme l'enfant de la maison, il faut que tu sois meilleur, plus meilleur que 4 fois que l'enfant de la maison. C'est des choses simples à comprendre. Mais vous allez voir les enfants dehors, vraiment, tout son argent, il passe son temps à envoyer sa mère. Maman, va faire la tradition. Oui, la tradition, c'est bien. Mais si tu exagères et que rien ne marche, rien ne change pour toi dans ta vie, ça veut dire que c'est toi le problème. Ce matin, je m'adresse aux beaux ailleurs, aux demandeurs d'asile, qui n'ont jamais la solution. Vous êtes dans le pays. Je m'adresse aussi aux femmes, à nos soeurs femmes là, qui passent le temps quand elles rencontrent un Camerounais, c'est pour aller boire, c'est pour voir la corde. À la côte, fais le sport. Fais le sport. Voilà, fais le sport. Il faut faire le sport. Le sport est bien. Alors, c'est très bien le sport. Fais le sport. Multiplie tes chances. Multiplie tes chances. Tu peux commencer à faire le sport là, ton corps se développe. Un réalisateur te capte. Ne pas dire que le petit là, il a signé certains contrats, certains acteurs que bientôt vous allez voir dans les films. C'est comme ça. Nous tous on a des qualités, mais mettons-le juste en valeur. Hein? Mettons juste les qualités que nous avons en valeur. Tu es jeune, pourquoi tu ne fais pas le sport? L'aventure c'est pour les jeunes. L'aventure c'est pour les jeunes. Que ta situation actuelle ne te détourne pas à ta cible. Que ta situation actuelle ne te détourne pas à ta cible. Garde le moral haut. Parfois même là où tu comptes de plus, c'est là où on te veut de moins. Parfois c'est ce que tu négliges qui te porte bonheur un jour dans ta vie. Est-ce que si ce n'était pas ta méthode, on m'a donné ça depuis, non? On m'a donné ça depuis, ça fait presque plus d'un an que j'ai ça à la maison. Et ça ne fait pas peut-être 2 mois que j'ai découvert ce garçon. Ta méthode là. Ça ne m'intéressait pas. Jusqu'à ce qui vient me motiver quand je vois ces vidéos. Et je ne savais pas, c'est depuis hier que j'ai commencé. Je me rends compte que ça travaille tout le corps. Tout le corps, ça travaille. Tout le corps, ça travaille. Tout le corps. Regardez un peu là. Vous voyez? Non, c'est trop bon les gars, c'est trop bon, je vous conseille cela, c'est trop bon, je vous conseille,
Je vous conseille vraiment, c'est trop bon. Pour t'intégrer, tu peux même faire la danse traditionnelle de ton village. Oui, bien sûr, ma soeur, Manve, Napte. Oui, non, vraiment, vraiment. C'est le pays où il y a toutes les opportunités dehors. Et il y a toutes les opportunités dehors. Pour t'intégrer, tu peux même faire la danse du village. Oui, le blanc veut seulement que tu fasses quelque chose de différent. Quand tu es différent, non, non, c'est parti. Tom là, il a créé son concept. Il est différent. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il porte deux chaussures différentes, différentes couleurs. Et il se déshabille dans la rue. Et d'abord, il exploite sa taille. Il est lancé. Il y a combien de géants dehors là qui ne servent à rien? Il y a combien de géants dehors là-bas qui ne servent à rien? Les Camerounais sont nombreux là partout. En Égypte, au Maroc, tout ça. Chaque jour, il partait faire le Malaga, le Chogo. Mon frère, ma soeur, dans la vie, il faut être rusé et futé. À un moment de la vie, tu utilises tes qualités pour t'en sortir. Ce n'est pas tout parce que tu vas aller faire le Chogo, le Malaga. Le Chogo, Chogo en arabe veut dire travail. Travail, tu vas aller travailler. Le Malaga, c'est la maçonnerie. Donc, c'est pas parce que tu vas toujours aller travailler un an, après on te jette au refoulement, que tu penses que tu vas t'en sortir. Non, tu vas t'épuiser. Il y a un temps pour tout. À un certain moment de la vie, tu utilises tes moyens de bord toi-même pour t'en sortir. Pour t'en sortir. À un moment de la vie, tu utilises tes moyens de bord pour t'en sortir. Comme là, il y a envie de travailler le biceps. Le biceps. Il m'a fait couler la sueur. Hein. Il m'a fait couler la sueur. Et c'est bien parce que ça durcit là. Ça durcit là. Oh, fichez le camp avec ça que je suis marié, tout ça. Quitte de là! Comment? Vous avez tous les problèmes du monde. Tu as la solution et puis tu viens exploser ça. Vous voyez, non? Regardez. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Les femmes là. Surtout les femmes, les femmes. Je vous invite à faire comme notre frère. Voilà. Bon, elle m'avait dit que il y a aussi la manière pour faire. Merde, voici un bon exercice, hein. C'est un bon exercice, hein. Je vous conseille ceci, hein. C'est bien, hein. Wallahi billahi, c'est un très bon exercice. Et vous voyez les cordes là, vous croyez que c'est très facile. Ça a toute une force, hein, les cordes là. Elles sont très fragiles, mais c'est quatre. Ça a toute une puissance. C'est-à-dire que ça t'oblige à faire l'exercice bien. Je me souviens quand je suis souvent en salle de gym, je n'arrive pas à porter le poids. Je n'arrive pas à porter la terre jusqu'à fermer à toucher mon biceps. Ok, jusqu'à toucher là. Mais avec ceci là, tu fais vraiment l'exercice. Tu sens comment ça fait mal, c'est en train de brûler. Et automatiquement, tu vas sécher. Donc en réalité, comme vous voyez, ce tarte méthode là, c'est ça qui fait sécher son corps. Et c'est un grand frère avec qui je travaille au parcours Vita qui m'a éveillé l'esprit. Mais est-ce que tu sais que le petit là a inspiré beaucoup de gens? Parce que j'ai vu le grand frère beaucoup de corps. Il me dit que, mais, il dit que non, tu fais aussi comme le gars là. Il me dit que Bangalès. Je suis boxeur, non? Mais
ça travaille, ça fait sécher le corps. Donc je vous invite à étudier la corde. J'ai dit, c'est un étranger, c'est que nous tous sommes dedans, parce qu'on veut imiter. On passe le temps à imiter les conneries des Ivoiriens. Les Ivoiriens passent le temps à imiter nos conneries, qui n'avancent pas, qui déroutent notre société. Mais oui, qui déroutent notre société. Pendant ce temps, les parents meurent de surpoids. Nos femmes prennent du poids. Pendant ce temps, il y a les désordres dans les foyers. À cause du surpoids. Les gens disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais ils partent boire la bière. Ils s'asseyent pour boire une bière. La première bière. Si tu es un grand buveur. Voilà, maintenant, voilà, c'est vrai, ça dessine le corps. Donc, pour boire une première bière, mets au moins 20 minutes. 20 minutes pour boire peut-être ta première bière. La deuxième bière, ça commence à couler. Tu commences à ralentir à la quatrième bière. Donc peut-être pour finir 5 bières, il te faut 2 heures de temps. Ou bien 1h30. Alors qu'en 30 minutes, tu fais le sport. Ça te donne la longévité. Et dans tout ce que tu veux faire dans la vie, il te faut quelque chose. La résistance. Un moral de fer. Et tout ça se trouve où? Dans le sport. Dans le sport. Le sport est comme les déchets que tu rejettes. Après avoir consommé, tu rejettes les déchets. Le sport est comme le filtre de notre corps. Un filtre naturel. Et c'est un filtre que c'est toi seul qui dois le pratiquer. N'utilise pas autre chose. Utilise tes propres efforts pour faire ton sport. Tes moyens de bord. Parce que dans les affaires, tu reçois les coups. Quand tu fais les affaires ou que tu as perdu ton argent, c'est le corps qui reçoit tout ça. Le corps, le sport transforme ta vie. Ça devient comme un amortisseur. Donc quand les chocs viennent, tu reçois. Hein? Maintenant, quand tu n'as pas fait le sport, ça passe seul. Donc voilà. Donc merci, merci vraiment. Mais désolé, hein, je ne connais plus moi le nom de la dame qui m'avait donné ça. Non, elle était très sympa. Elle m'a appelé, elle m'a dit Baga Diaspora, je vais t'envoyer un nouveau produit. Vraiment, il faut t'annoncer, ma soeur. Merci pour la corde. Et merci à Tac Méthode. Voilà. Merci à Tac Méthode, mon frère, pour cette inspiration. C'est bon comme ça là. Je ne sais pas. Hein? Mais. Non, c'est trop bon, c'est trop bon. Ah non, c'est trop bon, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Prochainement, je vais commencer à utiliser la corde. Donc maintenant, je vais chercher encore d'autres cordes. Je vais chercher le genre de corde que lui utilise. Ah, il va commencer à utiliser. Il va utiliser là. Il va chercher la corde qu'il utilise là. Même pour les femmes qui ont de la peine à faire les exercices bizarres au lit avec leur mari là. C'est bien, hein? Ouh! Ouh! C'est vrai, franchement. Même pour les femmes là, qui ont de la peine à se positionner autrement, selon la volonté de leur mari, voilà. Il faut utiliser ça. Ça va vraiment vous faire du bien. Non, je vous conseille. Je vous conseille la corde. C'est très bien. Je n'ai jamais su. Parce que quand tu le vois là, tu dis qu'il fait même quoi comme ça là. C'est bien. Hein? C'est bien. C'est ça l'Africain. Il y a les gens qui vont te détester parce qu'ils sont incapables de faire ce que tu es en train de faire. Les autres vont te détester parce que tu es en train de réussir dans ce qu'ils ont échoué. Les autres te détestent parce que tu fais quelque chose en public qu'eux, ils sont incapables de faire. Au lieu d'aller vers toi, pour besoin de conseils, te détestent. Voilà. Et on acclame, vous allez voir, ceux qui parlent de sauvagerie sur la toile ont beaucoup de fans. Mais ceux qui inspirent en vrai, ceux qui inspirent
en vrai. On ne parle pas d'eux, on les ignore. Et c'est ça le péché de l'Afrique en fait. Le péché de l'Afrique, de notre continent. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et ce n'est pas aussi souvent de la faute. Souvent tu vois un gars qui a réussi, pour finir il vient encenser celui qui était la cause de ses malheurs hier. On a vu beaucoup de beaux aïeux là. Comme beaucoup de beaux aïeux qui ont failli mourir dans la Méditerranée. On ne traverse pas le désert ou la Méditerranée sans courir un danger. Même celui qui prend l'avion là court un danger. Il y a ceux qui sont entrés dans l'avion et puis ils n'ont jamais atterri. L'avion a disparu. L'avion a explosé. Mais je ne comprends pas comment un gars a quitté son pays. Son pays de misère. C'est ton pays, mais ton pays là. Les souvenirs que tu as de ce pays là, c'est la misère. Mais demain, quand tu pars dans d'autres cieux, tu réussis. Ton problème, c'est que non, vraiment, j'aime mon pays avec ses dirigeants. Il faut respecter les institutions. Tu es sûr que si tu étais dans ta peau de l'époque, tu pouvais dire les mêmes choses. Tu es complexé ou bien tu es ignorant. Ou bien tu as oublié. Pour mieux avancer. On n'oublie jamais. Hein? On vit avec. On fait juste semblant. On pardonne, mais on n'oublie jamais. Voilà. Je vais essayer de répondre à un abonné là hier qui vient sur la toile me dit Banga Diaspora, pourquoi tu encourages les gens d'investir dans les pays d'accueil avant d'investir au Cameroun? Ça, c'est une belle question. Une très belle question. Pourquoi je dis aux gens d'investir dans leur pays d'accueil qui les a tout donné? Il faut bien préciser. Mon frère, est-ce que tu peux abuser une femme qui t'a tout donné? Si tu abuses une femme qui t'a tout donné, sache que c'est peine perdue. Partout où tu vas là pour chercher la bonne femme, tu ne dois que trouver malheur. Même une femme qui abandonne un homme pour rien, alors qu'ils n'ont pas de problème, alors que l'homme là était un bon père, un bon mari. Mon ami, il est vieux. N'est-ce pas, nous tous sur la terre, nous sommes à la recherche de ce qui est bien. Nous sommes à la recherche de ce qui est bien et ce qui convient avec nous. Mais quand Dieu te donne ça, et on ne sait pas par quelle alchimie un matin, tu te lèves, tu dis, ah, je ne veux plus. Mais tu ne veux plus, mais tu penses que tu vas trouver plus meilleur où là? Alors que tu as là ce qui est meilleur que Dieu t'a donné. C'est très simple. Souviens-toi quand tu es quitté du Cameroun. Tu as eu ton bac. La filière que tu voulais faire au Cameroun, il n'y avait pas. Te voilà, tes parents se sont battus. On a vendu même un terrain. On a vendu même le bien. Je connais des gens qu'on a vendu que le terrain familial, dont le père devait prendre la retraite, hein, et bricoler une petite maison sur ça, pour que vous habitez. Toi, on a vendu le terrain familial, on t'envoie en Europe. On a déposé la caution. Aujourd'hui, tu travailles en Europe. Avant de quitter le pays, tu as eu ton bac, ça faisait déjà 3 ans, 4 ans. Tu n'as jamais fait un travail de 40 000. Ça veut dire que ton pays ne t'a jamais offert un travail de 40 000. Au Cameroun, toi, tu étais benskineur. Tu avais tous les aérés. Tu t'es aventuré, tu pars. Tu vas dans un pays. Dans ce pays-là, tu arrives, tu rencontres une femme qui te donne 3 beaux enfants. On te donne tout. Avec ton minable salaire, hein, tu souscris une maison à crédit. Les années plus tard, tu as là ta maison. Jusqu'à tu es tenté de t'engager à prendre encore un autre appartement à crédit. Et là-bas, ce sont eux qui t'appellent, on te supplie. Que monsieur, bientôt vous allez atteindre à l'échéance de votre crédit de maison. Vous pouvez encore prendre une maison plus grande parce que nous voyons aussi là, dans votre CV, on se rend compte que vous avez déjà 3 enfants. On peut vous proposer une maison plus grande que celle dont vous avez pu à l'époque. C'est la banque qui te propose. Et te dit que ta maison là, on peut maintenant la vendre à tel prix parce que ça fait là 4 ans, 5 ans. Et vous complétez encore à crédit. Ça veut dire que tu vends ta maison. Tu as encore peut-être même 200 000 dollars. Et après avoir vendu ta maison, on te donne une autre maison. On te donne 200 000 dollars dans ta poche. On te donne une autre maison. Regarde les avantages que tu as. Tu me dis que moi, je vais encourager les gens de venir investir au Cameroun. Parlons de mon cas.
Je n'ai pas connu ma femme dehors. J'ai connu ma femme au Cameroun. Je n'ai pas connu ma femme dehors. J'ai connu ma femme au Cameroun. Mon cas est différent. Je ne dis pas aux gens de ne pas investir au Cameroun. Mais je dis aux gens d'investir dans le pays d'accueil. Investis d'abord dans ton pays d'accueil. Déjà là-bas, il y a la stabilité. Vous êtes dans le pays instable. Vous êtes dans le pays instable. Ça fait combien de mois, combien d'années que tu n'as pas parlé, ton président ne vous a pas parlé? Combien? On va enregistrer une vidéo là, d'ici peu. Hein? Fin d'année, on va vous balancer. D'ici peu là, on va enregistrer une vidéo, on va vous balancer. Tu vois ton président dans ton pays d'origine. Quand c'est le président français qui arrive. Quand c'est le président belge. Quand c'est le premier ministre belge qui arrive. Quand c'est le premier ministre anglais qui arrive. Quand c'est le premier ministre allemand qui arrive. Américain qui arrive. C'est là où on voit ton président. Donc toi, on te manque le respect dans ton pays. Dans ton pays, les gens, les vieillards travaillent. Les enfants sont en retraite. Dans ton pays, pour le pouvoir, on tue la jeunesse. C'est le pays là que tu veux porter ton argent. Mon ami, arrange d'abord là où tu te trouves. Voilà, je n'ai jamais connu ma femme dehors. Si j'avais connu ma femme dehors, c'est que tout ce que j'ai, c'est dehors. Ce que je viens après. C'est le Cameroun, c'est en seconde position. Et quel pays ça? On encourage avec quoi? Tu connais combien de gars de la diaspora abandonnent les conteneurs là-bas au port, ils partent? Voilà un frère qui est arrivé récemment. Un frère camerounais qui est arrivé récemment. Un handicapé. On n'a même pas pitié de lui. Un handicapé. Un benguis. Handicapé. Un handicapé moteur. Moteur. Un gars qui sort du Nord. Il vient à Douala pour son conteneur. Il tape 6 mois. Il devient un clochard. Chaque jour dans les bureaux des douaniers. Chaque jour. Chaque jour, pendant 6 mois, un conteneur. Un handicapé moteur. C'est normal ça. Quelqu'un qui doit avoir les avantages. Alors que là-bas, dans son pays d'accueil, il est reçu comme un pape, comme un roi. Un handicapé. Toi-même là qui parle comme ça là, tu as combien de voix d'handicapés dans tes appartements meublés? Vous construisez les R+4 au Cameroun, vous mettez les ascenseurs. Nous tous, est-ce qu'on pense à cela? Mon ami, je préfère vivre dans une société où on pense à tout le monde. Est-ce que tu comprends bien? Ça, c'est ma philosophie. Voilà. Donc, je conseille à mes gars, mon ami, fais d'abord ta vie dehors. C'est le dehors qui t'a tout donné. Voilà. C'est le dehors qui t'a tout donné. Ne te mélange pas avec les autres. Il y a les gens que les parents ont tout laissé au Cameroun. Et ces gens, ça, vous voyez, ils ne rentrent avec rien. Moi, je ne comprends pas. Vous allez voir les enfants de bonne famille, là. Quand ils viennent au Cameroun, ils n'amènent rien. Pourquoi toi, le pauvre, tu ne veux pas arranger là où tu te trouves? Sécurise ta famille. Tu as 5 enfants. On dit bien, tu as 5 enfants. Tu as 4 enfants, tu as 3 enfants. Tu as 20 ans en diaspora, tu n'as pas un studio là-bas. D'où vient la cause des malheurs de la diaspora? Les poisons, tout ça. Mais c'est à cause des biens que tu viens mettre pour longtemps ici, là. Et on se rend compte que tu n'es pas là. Et les gens pensent d'ailleurs que c'est leur bien. Et le jour que tu viens réclamer, on finit avec toi. Le jour que tu réclames, on finit avec toi. Combien d'amis sont morts? De tous mes voyages. De tous mes voyages. L'un des Camerounais que j'ai connu depuis bien. On compte les Camerounais qui ont la femme singapourienne. On compte les Camerounais qui ont la femme singapourienne. Vous faites seulement que les buts. Un Camerounais que j'ai connu, l'un des rares Camerounais résidant à Singapour. On a fini ici là, à cause de sa maison. Il y a une grosse maison ici à Makepe. Une grosse maison comme ça là, au moins sur 3000 mètres carrés. Vous parlez quoi là? Parlez quoi? On a fini avec lui. Sa pauvre femme est venue avec ses 4 enfants. Elle pleurait, elle dit, I told you to leave all those things. Leave it là.
Les Singapouriens parlent comme ça. Livre là, achons-nous livre. Le gars avait, il n'avait pas que l'argent. Des morts là, jetés là-bas dans son village. Un gars doit là. À cause de ta chose, tu meurs. Les factures par mois seulement là. Il demandait qu'on allume partout. Les factures par mois, il n'est pas là. Mais c'est lui qui envoie l'argent. 500 000. Les factures d'électricité chez lui. Il y a une maison, il ne savait pas indiquer la maison là. À Makepe là. Quand tu vois la maison, tu penses que c'est pour un ministre. C'était un Camerounais qui vivait à Singapour. Il est mort comme ça là, à cause de sa chose. Vous voulez qu'on cite les gens? Venez au camp. Mon ami, investis d'abord là où tu es. Garantis ta vie là-bas. Garantis d'abord ta vie. Arrange d'abord ta vie. Le pays instable. Tu as le travail. Tu vas voir un gars qui fait le bruit là. Pap, 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 pap. Avec tous les diplômes qu'il dit qu'il a là. Il n'a jamais travaillé au pays. Il a déposé les dossiers partout, on a rejeté. Avec le mépris. N'importe quoi. Tu aimes le pays plus que qui? Nous, on aime ce pays plus que toi. Nous, on aime le pays plus que toi. Mais le problème, c'est qu'on a compris la vérité. Petit frère. Non, Banga Diaspora, pourquoi tu as créé? N'est pas tu as un champ de palmeraie. Mon ami, moi, je suis un ancien millionnaire. N'est pas Banga Diaspora, n'est pas tu as créé le champ de canne. Ça, c'est mon champ de depuis. Ça fait 22 ans, 21 ans que j'ai le champ. 21 ans. Ça fait 21 ans que j'ai le champ. Et même c'est le cas. Mon cas n'est pas comme les autres. C'est mieux de dire la vérité aux petits frères. Que comme tu veux venir la voir, c'est que tu vas faire face. Ici, il n'y a pas la démocratie. Ici, il n'y a pas la démocratie. Ici, chacun se transforme. Ici, chacun se transforme. Tu vas voir un homme d'affaires qui arrive là, alors que c'est un escroc. Il vous montre toutes les qualités. Il parle tellement bien, alors que c'est un escroc. Je vois là le frère. Je vois le frère. Je vois le frère là, le frère, l'autre, après qui là. Partagez le direct, ma page est restreinte, partagez le direct. Je vois le frère, la panthère d'Undé, un Zumanto. Il publie la photo d'un gars là depuis là. Mais c'était un gars là, c'était un gars qui était bien, qui faisait ses affaires. Mais j'aurais appris qu'il a abusé les gens. Vous voyez? Vous voyez, j'aurais appris qu'il a abusé les gens. Parfois même tu veux travailler. Mais le système... Transforme ton projet. Mais oui, bien sûr, ma soeur, si c'était un bon pays, c'est que je suis milliardaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Montre-moi un pays où... Montre-moi un pays où quelqu'un qui vend le jus de canne à sucre, pendant la canne, on vient faire quitter les citoyens de ce pays-là. Pour installer les brasseries, il y a des choses qu'on ne parle pas. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Tu vends le jus de canne qui donne la santé. Tu vends le jus de canne, les produits du Cameroun. Tu vends les oranges, les jus d'orange, les produits du Cameroun. Les produits, l'ananas du Cameroun. Mais pendant la canne, comme le sponsor, c'est les brasseries, c'est les brasseries ou bien c'est quoi ou. Ou bien c'est les Guinness. On vient vous faire quitter là-bas parce qu'on ne veut pas la concurrence. Parce qu'on va vendre l'eau teintée aux gens. Tu as vu ça où? Tu peux voir ça ailleurs. Partout, dans tous les pays du monde, il y a la sauvette. Bien fait. Bien organisé. On ne les touche pas. Parce que vous, c'est les multinationales. Eux, là, c'est l'informel. Et un pays ne se développe pas sans l'informel. L'informel, c'est le Bayam Salam, les mamans du quartier, la maman qui fait fuir les beignets. Parce qu'eux aussi, ils ont un quota de personnes qu'ils occupent. Ils ont aussi une partie de main-d'œuvre qui tiennent. Les brasseries, c'est les grandes multinationales. Mais ils ont un quota d'employés qu'ils ont déjà. C'est ça le problème. Ils ont les gros employés. Et ils n'ont pas de petits salariés.
Et c'est les petits salariés qui sont nombreux. Et c'est les petits salariés qui sont les plus dangereux. C'est à cause d'eux qu'on a peur. C'est parce que nous sommes dans le faux pays. Les petits salariés sont les plus dangereux parce qu'ils sont nombreux. Quand ils décident de gréver, il y a un problème. Quand ils décident de marcher, il y a un problème. On ne se développe pas dans un pays sans les petits salariés. Vous parlez un quoi comme ça là, que voilà un pays, tu penses, tu es le pays plus que qui? On dit la vérité aux gens. Ne prends pas tes économies, tes premières économies pour venir investir au Cameroun alors que tu as déjà 10 ans en diaspora. Il faut être reconnaissant avec ton pays d'accueil. Investir là-bas. Fiche-moi le camp avec ça. Tu aimes le pays plus que qui? Tu aimes le pays plus que qui? Moi j'ai les photos, ma fille, à la veille du BPC. On coupe la lumière. On coupe la lumière à la veille du BPC. Ici c'est un avenir. On est l'avenir obscur. L'essentiel n'est pas d'avoir les diplômes. C'est de travailler. C'est d'avoir le travail. Tu es sûr d'avoir le travail? Sauf si tu donnes ton derrière. Sauf si tu donnes ton derrière. Quand vous voyez les Maier Phoning là, ou bien c'est Maier Phoning, tout ça là, de Canal 2 là, de Canal 2, de Jumbo, l'émission Jumbo, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que ça vient de lui? Peut-être c'est ce qu'on l'a fait aussi lui-même. Il veut essayer ça sur sa fille. Le voilà qui est porté, disparu, monte, il descend. Vous croyez c'est quoi? Les achats, les bons artistes comme les achats, les pères à son âme, il est où? C'est ça ton pays? C'est ça ton pays? Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Ils te poussent à la mort. Ils poussent l'homme à la mort. C'est-à-dire, ils t'amènent à faire de sales pratiques. Ils te poussent à la mort. D'ailleurs, on ne veut même pas. C'est-à-dire que malgré qu'ils te font subir leurs sales besoins, ils te poussent à la mort. C'est ça le problème. C'est pourquoi la majorité de ceux qui ont réussi par leurs propres efforts au Cameroun, tu es obligé d'être mal vu. Tu es obligé d'être têtu. Tu es obligé d'être têtu. Tu es obligé d'avoir notre plan B, plan C, plan Z. Vous voyez les Malox? Malox a son bar. C'est parce qu'il a senti un moment dans sa vie que on m'a fermé ici là. Il fallait que j'ouvre un bar. Il a son snack et ça a pris. Donc, c'est pour te dire que si tu viens au Cameroun avec ton projet, ne crois pas absolument que à 100% ça va marcher. Je connais un Camerounais qui est venu de l'Algérie avec son projet. Un projet de savon. Vous savez que les pays comme l'Algérie, ils ont les bons savons là-bas. Je connais un Camerounais aujourd'hui qui est clochard. Il est clochard. Il est venu avec le savon. Il entre avec l'un des fils des anciens délégués du gouvernement du Cameroun. Le fils amène ce garçon voir son père. On prend le gars. Le gars fait venir les partenaires algériens au Cameroun. Les partenaires viennent, on entre en contact avec le père ancien délégué du gouvernement. Avec le fils. Aujourd'hui, la société là, c'est le nom du fils du délégué du gouvernement. L'ancien délégué du gouvernement. L'un des fils de l'un des anciens délégués du gouvernement. Maintenant, le gars est là, il est devenu l'ombre de lui-même. Il a même porté plainte. Ça va aller où? Ça va aller où? Ça va aller où? Donc voilà l'enfant d'un riche. Tu viens avec ton projet, toi l'enfant d'un pauvre. On vole ton projet et on vole tes partenaires. On vole ton projet et on vole tes partenaires. Ça va aller où? Ça va aller où? Donc c'est pour dire que quoi? Toi l'enfant du pauvre. L'enfant du pauvre, pauvre doit être intelligent. Nous sommes les enfants des pauvres. Que Dieu a essayé de donner une petite position. Et quand Dieu te donne une petite position, il faut reconnaître même que dans ta famille, voici l'oncle qui m'aimait, voici l'oncle qui ne m'aimait pas. Voici l'oncle qui pouvait m'aider, mais il n'a jamais rien fait pour moi. On ne te demande pas d'aller en guerre avec ton oncle qui n'a rien fait pour toi. Mais il faut être conscient. Il faut être conscient que celui-ci ne m'a jamais rien donné. Donc je dois me méfier quand je vais vers lui.
Même si tu montres l'or, fais attention. Parce que le moment qu'il devait te montrer l'or là, il ne l'a pas fait. Mais pourquoi il ne montre pas l'or là à ses enfants? Pourquoi c'est à toi qui vient montrer ça? Donc c'est pour dire que quoi, avant de venir au Cameroun investir, garantis-toi d'abord que tu as ton appartement quelque part en Europe, dans un lieu sûr. Dans un lieu sûr. Connais à tout et même ton argent que tu as mis à la banque là. On peut t'appeler un matin que la banque a fermé. A fermé ses portes. Tu vas te plaindre à qui? J'ai mon ami là qui a son argent à, dans une banque là. Ou bien ça, mon, j'ai un ami qui a 75 millions dans une banque. J'ai ma part. 2 millions 800 000. C'est quelle banque là? Ouais, c'est quoi là? Mais c'est Kofi, ouais, c'est Kofi quoi là? Ouais, c'est quoi là? 2 800 000. Mon ami a 75 millions. Donc, alors qu'ailleurs, tu ne le verras jamais cela. Au Cameroun, même après 50 ans, le titre foncier n'a pas de garantie. Avant de venir, voilà les réalités qu'il faut que tu dises. Au Cameroun, on utilise l'autorité pour faire ce qu'on appelle la fémania. L'autorité est dans le groupe de l'escroquerie. Voilà comment on a escroqué Toko et Kambi. Toko et Kambi, l'international Toko et Kambi a été escroqué 80 millions pour un terrain. Et dans les complices, il y a le ministre lui-même. Quand on dit le ministre des domaines, il est dedans, dans le coup. Donc voilà là où Toko et Kambi va voir son oncle du village, qui est Laurent Esso. Il appelle au secours. C'est là où Toko et Kambi entrent dans ses droits. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui qu'on n'escroque pas? Voilà la réalité. La cible, c'est la diaspora. Il y a des gens qui viennent au Cameroun qui perdent tout. C'est comme il y a un frère, Fotso. On a un frère, Fotso. Il est en train de construire les appartements à Yaoundé. Il va vendre les appartements à 18 millions. Je serai sur le terrain bientôt. Je vais faire le dealer là-bas. Donc, il va vendre les appartements à 18 millions. Clé en main, tu déposes ton argent. Lui, il a d'abord ses appartements à Londres. Il a déjà ses biens à Londres. Pour venir investir au Cameroun, il faut d'abord garantir ta vie là où tu as été bien accueilli, mon frère. Comment tu peux porter ton bonheur, tu rentres là où tu étais dans la misère? Comment tu portes ton bonheur, tu rentres dans la misère? C'est ça le problème. Porter une partie de ton bonheur, tu peux tenter. Connais quand tu viens au Cameroun à ton business, tu viens essayer. Ça ne marche pas à 100%. C'est comme ça. L'exemple a montré tous ceux qui sont débarrassés de tout ce qu'ils avaient en Europe pour rentrer au Cameroun. 95% regrettent. C'est les regrets, c'est les pleurs. Wo yo, si j'avais su. Wow. Il y a même certains qui disent que non. Quand tu viens au Cameroun, quand tu parles à Dominique Savio, on te parle. Non, madame, quand vous allez venir, les enfants sont français. Voilà, on va aller faire les réductions de 50%. C'est-à-dire que si l'école c'est 2 millions, tu vas payer 1 million en tant que citoyen français. Mais alors, il y a les pièges derrière. Il y a les pièges derrière que tu ne connais pas. Mettez les cœurs, mettez les étoiles. Ma page est monétisée. Voilà les secrets qu'on vous donne. Je peux passer dans la rue là-bas. On me tue même parce qu'il dit la vérité. Mettez les étoiles. Ma page est monétisée. Mettez les étoiles. Comment vous avez? Ma page est monétisée. On parle pour rien. On va te dire de payer la scolarité des enfants, Dominique Savio. Mais derrière ça, il y a des choses que tu ne peux même pas imaginer. Oui, Alain Mao, merci à toi pour les étoiles. Donc derrière ça, derrière les 1 million que tu payes là, il y a des choses que tu ne connais pas. On t'exige beaucoup de choses. On t'exige. On t'impose. Quand on te dit on t'exige, on dit qu'on t'impose. Non, j'ai dans la maison, je ne serai pas en location. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Déjà, quand tu dors dans une maison de 50 millions, tu sais qu'il te faut un gardien, non? Il te faut le chien, non? Est-ce que tu sais ça?
Waouh, Moussa. Moussa DLM. DLM. Connais quand tu habites dans une maison. Quand tu habites dans une maison au Cameroun de 50 millions, tu sais qu'il te faut le gardien, non? Sinon, les propriétaires de la maison vont te rendre visite matin, midi, soir. Ils vont prendre même ta voiture. Connais que quand tu habites dans une maison au Cameroun, que tu as conçu 50 millions, les gens pensent qu'ils vont venir au Cameroun, ils ne vont pas louer. Qui t'a dit que quand tu ne loues pas là, ça devient moins cher? C'est juste une assurance que tu as dans la maison. Mais tu as la pression des charges. Tu peux balayer ta maison chaque jour. Ta maison sur 400 mètres carrés, tu peux balayer ça. En tant qu'un homme d'affaires, avec une femme qui est occupée, pour s'occuper de ses enfants, tu es obligé d'avoir les gens chez toi. Les gens là, c'est les bouches qui mangent. C'est les charges. C'est les charges. Tu vas te retrouver que tu vas dépenser au Cameroun. Avec les enfants que tu as amenés au Cameroun là. Et tu ne peux pas venir au Cameroun avec tes enfants. Tu les coupes directement du système où ils viennent. Sinon, ce sera les hôpitaux chaque jour. Connais que les enfants là doivent être assurés. Tu dois les assurer. Hein. Tu dois les assurer. Je connais les écoles qu'on oblige cela. Hein. Ils ne veulent pas que tu amènes ta mère de chez eux, que l'enfant vient tomber le palu là-bas. Ce sont eux qui partent dépenser l'argent. Hein. Tu viens les amener dans la malchance. Voilà. Comme tu comprends seulement le nom là, que mon enfant fréquente dans telle école. Connais qu'on va t'obliger l'assurance là-bas. Et ils ont déjà leur assureur. Et ce n'est pas 5 francs. Et m'adresse à vous là. Connais ça. Il y a beaucoup de choses derrière. Donc, hormis de la pension que tu vas payer la moitié là, en tant qu'Européen là. Hein, tu vas payer la moitié non? Mais connais que maintenant là, les charges que tu vas payer, l'assurance, les conditions. Connais qu'un enfant va te coûter moi 2 millions. Parce qu'il y a l'autre qui a dit que non, grand, j'ai dans mes appartements, vraiment, quand j'évalue, je peux avoir 8 millions par mois. Il est venu ici là, 8 millions par mois, comme il disait là. D'abord, c'est sa femme blanche qui a porté le sort fuit d'abord. Et 8 millions par mois. Ah bon, hein? C'est la même chose quand tu achètes le taxi. Non, gars, il y aurait 10 000 par jour, 300 000 par mois. Allô, man. Donc, tu n'as pas tant calculé le jour où le taxi va disparaître souvent le taxi. Donc, tu ne comptes pas les jours où le taxi va te dire que la police l'a arrêté toute la journée. Il n'a pas de travail. Tu ne comptes pas toi ça. Tu vois seulement que tu auras 300 000 francs tous les mois. Ah bon? Et Camerounais. Non, évalue. Allô, man. On t'a dit que c'est tout le monde qui va être chef d'entreprise. Moi là, c'est parce que c'est Dieu qui m'a orienté. Je préfère être salarié que d'être chef d'entreprise. Ouais. Je préfère vivre là-bas. C'est parce que Dieu a fait que je ne suis pas comme vous là. Que j'ai mis ma part de ngaka dehors. Si j'avais mis de manga dehors, c'est que le Cameroun, non? C'est que c'est quand j'aurai 60 ans. C'est quand j'aurai 60 ans. Ce que je choisis, soit est fait comme certains font là. Il y a les gars qui investissent au Cameroun. Ils ne regardent pas. Ils abandonnent. Donc vous ne l'appelez pas. Vous ne l'appelez pas. Donc le gars a conçu ses appartements. C'est sa mère qui vient prendre la location. Donc les bagarres là, ils ne se mêlent jamais. Il dit que tu man, let them self, let them kill them, non mon frère. Ça fait moins un non. Parce que comme ils bagarrent là, sur ta chose, c'est comme ça que le jour que tu vas venir, ils vont aussi bagarrer pour, contre toi-même, pour ta chose toujours. Donc laisse qu'ils bagarrent, ils se tuent même. Où est le problème? Ça fait moins un si quelqu'un meurt. Mais oui, parce que quand ils sont nombreux, tu ne pourras pas t'en sortir. Vous savez pas ça? Les gens bagarrent sur ta chose quand tu es encore vivant. Mais juste parce que tu n'es pas présent, ils bagarrent sur ta chose. Tu comprends que la mère a cassé la bouteille sur la tête de son fils. Pour le bien de son fils. La mère de la maison. On te dit que la fille, la soeur a versé l'eau sur sa propre mère. Sur le bien du frère. Le frère vivant. Ça c'est un loup. Hein? Ça c'est un loup qui a écouté le conseil que je lui ai dit. Que grand, ne regarde pas ça. Ndemla, tu vas voir. Les couteaux sortent. Les couteaux. N'importe quoi. Et que, petit frère, fais ta vie d'abord dehors. Tu n'as rien. Je connais le Camerounais. Beaucoup de Camerounais, quand ils réussissent, veulent venir se faire voir. Ils sont pressés. Il n'est jamais trop tard pour investir chez soi. Et quand tu... Mon frère, ma soeur, il n'est jamais trop tard. Quand tu as misé très haut, quand tu as là ton appartement à Washington, à New York, dans les périphériques, New York, Washington, les périphériques de Paris,
tu as ton appartement dans les grands pays. Mon ami, tu as misé haut. Ça veut dire que le jour où tu rentres au Cameroun, avec les yeux fermés. Même avec les yeux fermés, tu construis. C'est clair. C'est clair. Même le titre foncier n'a pas de valeur au Cameroun après 50 ans. On vous fait quitter. Même le titre foncier, tu as ton titre foncier 50 ans, 100 ans. C'est combien de bouteilles? 15 500. Tu as pris avec qui? Ouais, vas-y. Attendez, je prends un exemple. Le papier d'un être humain, c'est quoi? Le papier d'un être humain, c'est son acte de naissance. Mais vous voyez dans un pays où l'acte de naissance d'un terrain n'a pas de valeur, même après 50 ans, ça vous dit rien. Ça vous dit rien. C'est-à-dire que le même qui a délivré le titre foncier chez toi, le même me délivre le même titre foncier chez moi, avec la même géolocalisation, avec le même numéro de titre foncier, signé par un ministre, par un délégué régional du domaine, du cadastre. Est-ce qu'on blague comme ça là? Est-ce qu'on doit blaguer comme ça là? Le terrain, c'est la vie. Les guerres de ce monde, c'est le terrain. Les plus grandes guerres de ce monde, c'est le terrain. C'est cela que tu vas venir t'engager. Mon frère, achète d'abord ta maison en bain. Sécurise d'abord ta vie. Sécurise ta vie. Et la meilleure façon de sécuriser sa vie, c'est d'investir là où tu as eu le bien-être dans ta vie. Et bien, vieux, n'est-ce pas, on s'accroche à une femme où on se sent bien. Si une femme t'a apporté le bonheur, n'est-ce pas, tu t'accroches. Mais quand le jour que le bonheur finit, disparaît, n'est-ce pas, tu te cherches. Eh mais comment tu vas porter ton bonheur pour rentrer chez un homme qui ne t'a jamais aimé, qui t'a tout frustré, qui t'a tout chassé? C'est la même chose. Le Cameroun est comme notre ex-mari quand on a réussi de l'autre côté. Le Cameroun est comme notre ex-femme qui nous a déçus quand on avait plus besoin d'elle. Mais oui, considère le Cameroun comme ça. Disons que oui, tu as fait un enfant avec le Cameroun. Parce que c'est là où tu es né. C'est ton pays d'origine. Mais quand tu viens, ne prends pas tout ce que tu as pour mettre là-bas. Parce que ça n'a pas toujours changé. C'est les mêmes gens qui sont là. C'est à cause des mêmes gens que toi. Tu es parti. Tu penses que qu'est-ce qui a changé? Nous subissons tous le même système qu'on a laissé. Attends, je suis parti en 2000. Je suis rentré, reparti. Moi, voici au Cameroun. Il est tout là. Damano a bougé. Il a dit que c'est le caterpillar qui va l'enlever là-bas. Si tu viens pour le combat, c'est bien. Si tu viens pour qu'on combatte, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais si tu viens parce que tu dis que oh, vraiment le Cameroun est bien, les souffrances sont finies. Mon ami, voilà les routes. Connais que chaque 6 mois, il y a les réalités que tu ne connais pas. Voilà ma Mercedes, non? Voilà ma Mercedes. Le plus important n'est pas d'acheter la Mercedes, la ML. C'est une grosse voiture. Tu es content, tu es dedans, non? Mais le plus important, sache que tu vas changer les garde-boue qui vont se gâter chaque temps, les amortisseurs qui vont se gâter peut-être chaque 6 mois. Sinon, tu seras dans la voiture, content d'être dans la voiture. Mais les bruits qui viennent de la voiture vont te dégoûter. C'est ça le plus important. Il faut que tu saches la vérité. Que ta voiture que tu amènes là, ici, là, elle va vieillir en moins d'un an. Tu dis que non, j'ai là tout arrangé dans la maison, j'ai déjà. Mais l'accès à la maison, alors c'est comment? Ta voiture, c'est comment? Est-ce que tu dois avoir une voiture quand on te dit que ta mère est malade, tu ne peux pas aller la chercher dans le quartier? Est-ce que tu as l'argent pour goudronner toutes les routes du Cameroun? Tu n'as pas l'argent là? Tu n'as pas l'argent là? C'est de ça qu'il s'agit. C'est le pays instable. Ça veut dire que même le salaire est instable. Le locataire qui t'a payé 2 ans sans problème, demain lui aussi ces choses tournent. Il ne te paye plus. Et tu comptais sur lui. Ne fuck up jamais, dit man. Faut même pas fuck up. Ne fuck up pas. Ne confonds pas ceux-là qui n'ont jamais rien eu là-bas et qui se lèvent un matin, qui vient ici là parler du Cameroun. Ils parlent de quel Cameroun? Beaucoup là sont là, ils font le blanchissement d'argent. Si moi-même là je voulais, ce qu'on parle de canne à sucre partout. Mais ce que j'ai refusé. Nous tous on voit sur la toile. Non, tel il me doit, hein.
tel il a fait comme ça là, tel il a pris mon argent, tel, oui, chacun peut le faire. Moi j'ai des super fans, je suis capable de demander à mes super fans que bon gars, je veux comme ça, mais après si ça tourne mal, je me bats avec le peu de moyens que j'ai, c'est comme ça, mollo, c'est tout, mais c'est pas facile mon gars. Donc arrêtons les histoires là que Mbanga diaspora, tu trompes, il ne trompe personne. Je dis la réalité. Que je peux m'asseoir un matin, si on vient me dire, monsieur Waman, le titre foncier ici là, ce n'est pas pour vous. Et celui qui vous a vendu n'avait pas qualité. On fabrique une autre personne. Mais oui, c'est devenu une forme d'escroquerie. Et faites attention, ce qui est marrant, c'est que ça avait la complicité de la haute hiérarchie. C'est ça le problème. Vous voyez dans un pays, on utilise un ministre pour annuler un titre foncier. Vous vous asseyez là pendant 10 ans. Pendant les 10 ans que lui est là, vous êtes en sécurité. Après 10 ans, l'autre ministre arrive, l'autre groupe va voir le ministre là. Il annule votre titre foncier. Attendez, vous croyez quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a les terrains au Cameroun? Vous comprenez que quand il y a 100 hectares titrés, ça va la complicité du ministre. Il peut payer les droits de signature, les frais de signature. Et il te garantit, tant que le ministre est là, le titre foncier n'aura jamais de problème. Alors que derrière le titre foncier là, il y a beaucoup de contestations. Mais ce titre est couvert par le ministre qui est aux affaires, qui est en fonction. C'est ce que les gens font aujourd'hui. C'est un homme d'affaires véreux. Ils partent à Yaoundé. Ils s'entendent avec un certain chef du village. Il dit au chef de village que bon, toi tu viens d'arriver, laisse. Voilà, t'as pas 10 millions. On va organiser, les villageois viennent signer, ta, et on signe. Maintenant, on cache une élite quelque part. C'est une forme d'escroquerie entre eux. Alors que les gens viennent dans une famille, on cache certains membres de la famille. Les autres viennent signer. À Yaoundé, ta, ça passe. Ça sort, le titre foncier est sorti. C'est en bonne et due forme. Mais tout le monde a mangé, le chef du village a mangé, les notables ont mangé. Le notaire lui-même, là, lui ne connaît rien. Il est seulement là pour vendre le terrain. Un matin, un notaire vient voir, il a un dossier de 100 hectares sur sa table. Il commence à vendre. Il vend. Il vend le tout jusqu'à ça finit. Un matin, le ministre n'est plus là, tant le dossier sort. On vous dit qu'il y a certains villageois qui contestent. Ils étaient au courant de ça depuis. Hein. Mais ils ferment les yeux parce qu'ils mangent. Une forme d'escroquerie. Vous voyez à quel niveau? Comment on utilise les institutions d'un pays pour escroquer les citoyens? Vous pensez que qui peut venir construire quelque part où il sait qu'il y a les problèmes là-bas, il construit. Il s'entête. Non. C'est parce qu'il est convaincu par la signature des autorités de son pays. Mais hélas, it's fuck up, it's bullshit. Donc, mettez le cœur, dis donc. Mettez les étoiles, ma page est monétisée. Mettez les étoiles, on parle. Oh, c'est ça le problème. Donc, mon frère, sécurise ta vie d'abord là-bas. Tu sais, gars, quand tu as investi 3 ou bien 4 et que tu perds 1, hein, tu n'as pas trop de regrets. Quand tu sais que non, les 3 qui me restent là, c'est dans un lieu sûr. Tu n'as pas de problème. Je prends un exemple. Avant de rentrer au Cameroun, j'ai apporté une partie de mes bijoux au pawn shop, là où on prête l'argent. Je paye les frais tous les mois, $100. Les bijoux d'une valeur de près de 15 millions. Je paye tous les mois l'argent que j'avais prêté. Quand je quittais Singapour pour Jakarta, je suis allé à Jakarta pour faire une affaire. Je suis parti emprunter de l'argent. J'ai pris mes bijoux, j'ai déposé. Si c'est au Cameroun, là, tu vas trouver. Il y a des facilités. Est-ce que tu peux aller hypothéquer ta maison au Cameroun facilement? C'est toute une procédure. Alors que ailleurs, tu prends ton papier là. Déjà même, c'est géolocalisé. Tout est sur Internet. Tout est en ligne. Donc, tu viens seulement avec ta parole, ta bouche, ta carte d'identité, tu déposes. Oui, la banque te prête de l'argent. Le jour que... Attends, tu ne peux plus aller ailleurs. C'est déjà en ligne. Tu ne peux plus aller ailleurs, hypothéquer l'argent sur la même maison que tu as hypothéqué. Tout est en ligne.
C'est pourquoi ils n'informatisent pas tout ça. Parce qu'eux-mêmes, c'est des faussaires. C'est des faussaires. Regardez les aéroports. Regardez les aéroports. On ne scanne plus le passeport. On ne scanne pas le passeport. Alors qu'ailleurs, quand tu arrives là, on dépose seulement là. Oui, monsieur. Welcome, mister. On gagne en temps. On est tout dans l'antiquité. On place les gens dans les couloirs. On place les gens dans les couloirs des aéroports pour visser les voyageurs. Qui vous a dit que quand quelqu'un a son cachet de sortie, tu dois le manquer le respect. Hein? Quand il y a dans la zone internationale. Hein? Quand quelqu'un est dans la zone internationale, ça veut dire qu'il a là. Bien beau, il y a les circonstances atténuantes. Mais tout juste parce qu'on va te demander l'argent. Oui. Oui, on connaît. Avoir le cachet dans le passeport ne t'autorise pas d'entrer ou de sortir. Mais oui. Mais pour les vraies causes. Pour les vraies causes. Pas parce que tu veux demander l'argent à un individu. Pas parce que vrai, c'est l'aéroport international de Douala. Mais quand tu as là le cachet de sortie, ça veut dire que tu es dans la zone internationale. Dans la zone internationale. Mais n'importe qui sort, le douanier vient. Monsieur, vous avez combien là-bas? Oui, ça devient de l'escroquerie. L'escroquerie. Et les populations sont là, tout le monde regarde. Les gens sont complexés. Les gens sont complexés. Et voilà un pays. Petit frère, fais ta vie dehors. Laisse ça. C'est moi qui dis, j'assume. Je vais commencer une campagne sur ça, ça va faire mal. Bientôt là, non? Voilà une soeur qui est venue pour ouvrir sa cave. Elle dépense 50 millions. Quand on a dit que 50 millions, mais elle a fait comment? 50 millions. C'est les places qu'on te dit que pour payer la location, marché central, c'est 10 ans. 10 ans. Si c'est 50 000 au mois, fait combien? Fois 10 ans, fait combien? Ça fait plus de 15 millions de francs CFA. 10 ans. Ça fait plus de 15 millions de francs CFA. Il faut choquer celui qui t'a montré la boutique. Tout ça, c'est un film. Elle aménage bien, les gens regardent. Le propriétaire regarde. Un matin, madame, vraiment, celui qui vous a donné la boutique, là, il n'avait pas qualité. Devant les yeux. Devant aux vues, aux yeux de tous. Devant le staff du marché. Devant la direction du marché. On a pourvu une Camerounaise qui sort de la diaspora. Quel souvenir. Quel souvenir. Tu vois les pleurs, les pleurs. Tu sens que c'est les pleurs du suicide. Elle ne se remettra plus jamais. Elle ne se remettra plus jamais. Et quand elle va repartir là, ce sera un mauvais souvenir. Et c'est ce qui est marrant, c'est que beaucoup de personnes ne témoignent pas. Donc je vais commencer à ouvrir. Je vais commencer à ouvrir le micro, le téléphone. Vous allez appeler. Bah, c'est un autre combat là-bas. C'est un autre combat. C'est un autre combat. N'importe quoi. Il faut apprendre à Dieu. Voilà, nous sommes là, non? On n'est pas chaque jour. Philippe Simon. Philippe Simon, chaque jour, dit aux gens, venez investir en Afrique. Mais c'est encore lui qui se plaint qu'on a arrêté l'un de ses partenaires. Qui est venu, il a loué une maison. Il a cassé pour aménager. Maintenant, on le convoque au commissariat. Jusqu'à ce qu'il se retrouve en cellule. Attendez. Depuis quand dans un pays, on manque le respect à un homme d'affaires? Je prends un exemple. Quelqu'un que moi, je n'aime pas trop. On a vu comment l'autre, Belinda Amourou, quand elle est partie acheter Télé Sud, non? Et regardez comment il a accueilli. Pourquoi? Parce qu'il vient donner son argent. Il vient donner l'argent. Comment tu viens dans un pays pour donner l'argent, on ne te respecte pas? Si on ne respecte pas quelqu'un qui vient investir dans un pays, ça veut dire qu'on est même prêt à le tuer. Mais oui, on est prêt à te tuer. Si on ne te respecte pas, quand tu viens apporter une plus-value dans un pays, mon ami, sache que tu es de la diaspora. Quand tu quittes d'ailleurs avec ton argent pour venir investir au Cameroun, on doit te respecter. Parce que tu as apporté la devise. Parce que ton argent a suivi beaucoup de marches. On a changé en euros, on a converti en dollars avant de retomber en CFA. De près ou de loin, tu as participé à la construction de ton pays. Tu as fait les virements bancaires. Ils ont coupé les frais. Tu as participé. Tu viens, on te manque le respect. Tu aimes ton pipi que qui? Tu aimes ton pays, pourquoi en retour tu es parti chercher l'argent ailleurs? N'importe quoi. Avant de venir, arrange là où tu te trouves. Parce que le titre foncier n'est pas une garantie. Le titre foncier n'est pas une garantie au Cameroun. À tout temps, on lève ça. On s'en fout. Voilà lundi, non?
Voilà lundi. Regardez lundi là. Les pleurs. Regardez lundi. Lundi, c'est les pleurs. Regardez lundi. C'est les pleurs, les hectares. On te dit que celui-là même diamant. Il est diamant. N'importe quoi. Et donc, attends, il faudrait. J'aime le Cameroun. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Tu as combien d'enfants au Cameroun? Et j'aime le Cameroun. Tu connais combien d'enfants moi j'ai au Cameroun? Tu as combien d'enfants au Cameroun? Tu aimes le Cameroun? Nous on aime le Cameroun, mais on dit la vérité. Qu'avant de venir, arrange tes arrières. Voilà. Moi je suis ici là, j'écope déjà. Et comme j'écope, je t'éveille toi. Voilà, comme j'écope, je t'éveille à toi. Qu'avant de venir, arrange tes arrières. Je n'ai pas connu ma famille dehors. Je n'ai pas conçu ma famille dehors. J'ai conçu ma famille au Cameroun. Je n'ai pas eu la chance comme toi. Je suis parti très jeune. Je suis rentré très jeune. J'ai connu ma femme ici. J'ai fait mes enfants ici. C'est différent de toi. Donc je t'éveille. Qu'avant de venir investir, sécurise d'abord tes arrières. Construis-toi une maison. Offre un cadeau à tes enfants. Ta volonté, ta raison de vivre. Quand on aime ses enfants, quand on dit qu'on aime une famille, quand on dit qu'on est chef de famille, la priorité, c'est les offrir un toit. C'est les offrir un toit. Le jour que le pays sera bien, tu peux même vendre, non? Ce qui est bien là, c'est qu'à toute heure, tu peux vendre ta maison. Tu peux vendre ta maison. Mais alors qu'ici, là, à toute heure, tu peux perdre ta maison. Va le danger qui court derrière. À toute heure, un individu peut venir toquer la porte là-bas, que monsieur, vraiment, ça c'est mon terrain. Et à toute heure, un individu peut s'asseoir dans un bureau et détruire ta vie avec son bic. Un individu que tu ne connais même pas. Parce qu'il a pris 500 000. Il signe un document qui va détruire ta vie. Et tu ne te remettras jamais. Voilà la différence. Un gars s'assoit quelque part. Il détruit ta vie. Comment, champion? Ouais, ça va. Non, j'ai les trucs mais à 12 là-bas. Ah non. Ouais, je suis en live. Et comment? Tu es des marcheurs, hein? Voilà. Ok, merci mon frère. À toute heure ici là, un locataire peut finir par devenir propriétaire de ta maison. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Qu'au Cameroun, un locataire, voyant ta faiblesse, voyant lui ses relations, peut finir par devenir propriétaire de ta maison. Tu sais ça, non? Est-ce que ça existe? Quelqu'un vient chez toi comme locataire, il finit par devenir propriétaire. Il a vu comme ça. N'importe quoi. Voilà la différence. Là-bas, quand tu as acheté, c'est ta part. Même si tu n'es pas là, non? Les clochards vont venir dormir. Mais le jour que tu arrives, non, on les fait quitter. Alors qu'ici, là, ton voisin peut te regarder. Quelqu'un peut venir comme locataire. Il voit ta faiblesse. Tu es un gars qui a peur. Il voit le grand s'il n'a pas de relation. Il te taquine. Un matin, tu disparais là. Il peut fabriquer les documents. Il devient propriétaire de ta maison. Wow, il devient le propriétaire de ta maison. Jusqu'à tu vas crier que wow, 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 le Cameroun. Non, tu vas que crier. Mais tu ne gagneras pas. Donc, mon gars, investis là où tu te trouves. Protège ta famille. Sécurise tes enfants. Sécurise tes arrières. Sécurise tes arrières. Voilà, sécurise tes arrières. C'est comme ça. Sylvie Siliki. C'est comment? Voilà les produits pour perdre le poids. De 0 à 20 kilos. Voilà le produit. On a ça en France. On a aussi ça en France et au Cameroun. On appelle ça Lili Slim. Un best-seller. Ça te fait perdre le poids. Ça te boit les... Ça te boit la graisse. Ça réduit ta panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Très bien pour la santé. Sans effet secondaire. C'est des produits faits à base de plantes naturelles. Voilà. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà les produits pour la goutte. Voilà, pour tous ceux qui souffrent de douleur à l'articulation. Tu as de la peine à plier, à faire le point, à déposer les pieds au sol le matin très tôt. Ça fait mal. Voilà, surtout quand tu viens de l'Afrique. C'est comme si on t'a lancé un mauvais sort. Voilà le produit.
Voilà. Voilà, voilà le produit. Très bon pour la santé. On a aussi ça en France. On a aussi ça en France. Donc, si tu as besoin de ces produits, tu m'appelles au numéro au 683 40 97 55. 683 40 97 55. Ou tu m'appelles à mon WhatsApp aussi, mon WhatsApp d'Indonésie, que tout le monde connaît. Plus 62 812 125 244 98. Mon WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà le Mumbai alors. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme. Après 15 minutes, tu as déjà un jet. Voilà une belle affaire. Voilà une belle affaire. Tu ne bois pas, ce n'est pas buvable. Sans effet secondaire. Produit fait à base de plantes naturelles. Voilà, dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Tu emballes, ok, tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Vous connaissez la femme, quand la femme vieillit, l'orgasme va très loin, elle jouit à peine. Mais elle fait seulement semblant. Là, c'est parce qu'elle a encore les sentiments au nom des enfants. Mais si elle va quelque part, est-ce qu'elle jouit là, ta vie est en danger. Soit elle part avec son corps, soit elle finit avec toi et elle ramène le gars à la maison. À cause du jugement, il y a des femmes qui tuent leur mari. Oui, oui, il y a des femmes qui tuent leur mari. Parfois même, passe derrière ton dos pour aller chercher les remèdes pour que tu te lèves, pour que tu commences à durer sur elle. Vous savez que en couple, au domaine de l'amour, là, le lit conjugal, la femme est l'être humain la plus hypocrite qui ne dit jamais ce qu'elle pense. Vous allez voir une femme, elle a envie. Mais elle veut que c'est toi qui fasses le premier pas. Et quand c'est trop, c'est laid. Les femmes, harcelez aussi vos maris au lit. Il faut harceler son mari. Il faut séduire son mari. Touche ton mari, non? Pourquoi c'est toujours, depuis que vous êtes connu, c'est toujours lui qui doit te déshabiller? Ah, mais tu veux que j'ai de femmes, non? Dis donc. Quel genre de femmes? Hein? Déjà de femmes que c'est tout ton mari qui doit te dire, chérie, j'ai envie. Tu sais pas que tu le stresses, tu le diminues. Hein? Tu le rends inférieur. C'est comme si c'est lui seul qui te voulait. Comme si toi, tu ne voulais pas. L'hypocrisie, les femmes. Ah, non, les femmes. Les femmes hypocrites. Elles voient quelque chose, ça la plaît. Jamais elles ne se prononcent. Vous souffrez. C'est la souffrance. Il n'y a pas de vie. Hein. Il faut vous épanouir. Mais enfin, le gars, tu pars dehors, on l'arrête dehors, que tu vas me donner ça. Il commence à aimer. Et puis, il calme. Et que non, le tobasi. Le tobasi. C'est à cause de toi qu'il est parti dehors. Voilà le produit. Achète ça pour ton mari. Comme il ne dit pas sur toi, là, achète ça pour ton mari. Il y a des femmes courageuses qui achètent ça pour leur mari. Voilà. On a le stock en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie. Voilà. Voilà le produit. Super Love, best-seller. Best-seller. Si tu es aux États-Unis, en Belgique, en Italie, en France et au Cameroun, tu m'appelles à mon numéro au 683 40 97 55. 683 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. Tu m'appelles et puis je vais te donner le contact de mes partenaires qui sont en France, en Italie, Belgique, États-Unis. Voilà. Super Love. Best-seller. Vous savez, vous voyez, regardez un produit 5 étoiles. C'est un produit, c'est curatif et préventif. C'est aussi un antiseptique. Très facile à utiliser. C'est pas buvable. Ciao. I love you.